Je te jure, sans pitié, les mecs. Ils étaient quatre, ce connard. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais y a personne qui t'a aidé. Si, y a un type là qui m'a aidé. S'il vous plaît, c'est ma copine qui s'est faite agresser. Je voulais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. C'est bon, oh. Arrêtez là. C'est juste que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à un ami à moi. Cet ami vient d'en prendre pour 25 ans. C'est quelqu'un de vraiment important pour moi. Le meurtrier présumé a transpercé le corps de votre fils à plusieurs reprises avec un couteau. J'ai pas de le voir. Qui? L'homme. J'ai pas de lui parler. Putain, mais vous êtes des sorciers là-haut! On ne monte pas dans les fourgons! Lâchez-moi! Je m'appelle Alexandre. Et toi, c'est? Laure. Allô, bonjour, je représente Monsieur Sandrard. Il a été arrêté hier pour coups et blessures sur force de police. Il a été placé en détention préventive à la prison d'Aix-Luynes. Écoute Stéphane, j'ai une proposition à te faire. Tu vas à un parloir avec mon ami. Quand il tire à sa fin, vous échangez vos places. Lui il sort, toi tu restes. T'en prends pour un an et tu repars avec le frère. Les mineurs doivent être accompagnés d'un majeur pour aller au parloir. C'est le règlement, tu peux pas venir toute seule. T'as vu le monde que tu lui imposes? Tu vis dans quel monde, toi? Moi, je suis pas né avec un bouquet de fleurs dans le cul. Ah ouais, bah c'est pas ce que m'a dit ta mère. Cabine pair, cabine impair. Pourquoi vous êtes venu? Je veux sortir! Assis là-bas! Assis, j'ai dit! Putain, cette pierre là-bas, elle en s'y met tous, là! Je le ferme ou je te sors? Reste tranquille, y'a pas de problème. Tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre. Un parloir, c'est pas long, ça fait pas plus de 30 minutes.